vécu en 2033 et on a une commune, donc Saint-Michel-en-Montagne, dont le maire a pris un arrêté autorisant donc la création d'un métaverse dans lequel on a une association, Pensée Anthroposuprémaciste, qui autorise les avatars virtuels à exercer toute forme de maltraitance sur un animal virtuel au sein du métaverse dans le but de se défouler et d'améliorer les comportements interhumains. Alors, le choix du métaverse est un choix d'actualité, bien entendu. C'est aussi un choix qui nous permet peut-être de démystifier l'aspect révolutionnaire et novateur de cet espace, l'idée étant de demander aux étudiants de s'interroger sur ce qui est véritablement différent dans le métavers et par suite d'être en capacité de dire si le droit positif est en mesure de répondre aux enjeux du métavers ou bien s'il faut réellement penser une nouvelle réglementation, une nouvelle régulation de cet espace. Alors le rôle du coup de l'équipe de coach d'avocats, c'est de du coup les aiguiller sur les arguments à développer et comment répondre aux arguments qui sont développés en face, mais tout en essayant de leur laisser toute latitude de raisonnement et en essayant de pas trop les influencer. Moi je trouve que c'est un exercice très formateur pour les étudiants, qui les implique de façon active en fait et qui leur fait mettre en application des concepts qu'ils ont vus en cours. Et donc on a pu le voir avec nos étudiants de cette année de l'équipe magistrate qu'il y a un certain nombre de notions qu'elles avaient abordées en cours et dont elles voyaient concrètement la portée pratique. Donc je trouve que c'est vraiment très important. Je suis sûre que pour la suite de leur parcours, elles garderont en tête les implications pratiques de ce qu'elles apprennent dans les cours.